Coucou tout le monde! Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Mexico, on va repartir demain. Et on voulait encore profiter pour aller visiter le seul château du continent américain qui est ici dans le parc de Chapultepec. Voilà. Le problème, c'est que les enfants ont décidé de ne pas vouloir sortir. Alors ça, c'est pas cool, hein. Donc, dans un cas normal, on pourrait dire tant pis, on le fera une autre fois. Dans notre cas, nous, on peut seulement dire tant pis, on le fera pas. Et j'ai absolument pas envie de dire ça. Donc on va aller les voir. Les enfants, vous êtes prêts? Ah, apparemment pas. Ah, puis ils ont fermé la porte. Hé, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Hein? Est-ce qu'ils sont prêts? Ben, je crois bien que non. Dites coucou à tout le monde. Coucou. Ah, faut aller vous habiller. Hein? Ah, si. Ici, habillez-vous. Si, si, on va y aller. Hop. Allez, debout. Allez, debout. Debout, on y va. Ah, on a fait du progrès. Ethan est déjà en bas du lit. Allez, debout les marmottes. Faut vous habiller, on y va. Non, on n'est pas des marmottes, on se lève encore plus tôt que vous. C'est vrai, mais là vous êtes au lit. Mais c'est vous les marmottes. C'est vrai, je l'admets. Mais là vous êtes au lit et moi je voudrais partir. Allez, c'est vrai, mais allez, on y va maintenant. Allez dormir au château. Venez, on y va. Non, les marmottes. Bon, toujours au lit? Mais dites, c'est un peu le bordel dans votre chambre. Hein? Alors. Allez au château, les marmottes. Une culotte. Non, les marmottes. Un short. Non, les marmottes. Des chaussettes. Non, les marmottes. Un t-shirt, voilà. Chloé peut s'habiller. Eh ben bravo, Ethan. Un t-shirt, un short, une culotte, mais puis des chaussettes. Faut que je te trouve des chaussettes. Hop, habillez-vous. Mais purée! Habillez-vous! Allez, regarde! Non, 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 non! Non, non, non! Jette pas! Lâche! 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 Allez au château! Lâche! Lâche! Regarde! Faut mettre la tête là-dedans! Non, lâche, Ethan! Ethan! Allez, hop, la tête dedans. Allez. Mets ton t-shirt. Oh. Et maintenant, vous vous habillez. Allez, hop, non, habillez-vous, sérieusement. Attention, habille-toi, t'as encore en pyjama. Hop. Habillez-vous maintenant. Ben, si bon, vous vous habillez, alors, arrête de filmer. Hé, j'arrête de filmer, mais vous vous habillez. Ok. Ok, à tout de suite. À tout. Tadam! Alors, vous êtes prêts? Là. Ah, Chloé est prête. Ethan est prêt. Ethan est prêt, il est... Voilà, enfin, tout le monde est prêt. On peut y aller. Par là-bas, hein. Ouais, par là-bas, on y va. On peut aller à la boîte. Après, on y va. On est où? Non, mais ici. On est dans le bus. On va visiter quoi? Tu te réjouis? Non. Château, je crois qu'on passe à côté d'un château. Mon papa, il dit stop, on va vite visiter comme ça. Oh,
voir. Mais ce château, il est spécial. Tu sais pourquoi? Pourquoi il est spécial? Parce que c'est le seul château en Amérique. Il n'y en a aucun autre. En Europe, il y en a plein. Ici, c'est le seul. Bon, alors on y va. Hein. Enfin, c'est le bus qui va pour l'instant. On est en Europe, on ne visite pas tous. On ne visite aucun. Ben si, on en a visité plein. Les garçons sont derrière. Éteins de clash. Oh, le poker. On est dans le parc de Chapultepec et on va arriver juste à côté du château. Ouais, mais ils vendent tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Joli les souliers. Ah bah tiens, ça c'est l'entrée du château. Regarde. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des chaussures avec Frida dessus. Ah ouais? Oui. C'est cool. Attends, là il y a le château. On vient d'acheter nos billets, ça coûte 75 pesos par personne, enfin par adulte, et les enfants c'est gratuit, ils ne payent pas. Alors c'est parti, on va visiter ce château. On y va. Salut chérie. Bonjour tout le monde. Une salle pleine de tableaux. Thank you.
On se promène, on se promène. C'est grand, mais on trouve pas vraiment un chemin à suivre ou un ordre des salles. C'est difficile de visiter comme ça. Oui, mais on est un peu perdu, on sait pas trop par où aller. Bon, les enfants n'avaient pas envie de visiter le château, on aurait peut-être dû les écouter parce que là, c'est vraiment pénible. C'est quand est-ce qu'on sort, j'ai faim, j'en ai marre, ça m'intéresse pas, et c'est vraiment, vraiment pas agréable de visiter comme ça. Voilà. Prochaine fois, on les laisse à la maison. Ben non, on peut pas. Petite rectification, en fait, il n'y a que Chloé qui pleurniche chez Kiral et Tan ne dit rien. Coucou Tan! Et puis Chloé, eh ben, elle est partie là-bas. Vous voulez pas que je la filme? Voilà, d'un côté le château qui date des années 1800. Et puis, juste à côté, des immeubles hyper modernes. Et tout ça entouré par le parc de Chapultepec. Ça c'est joli. Superbe château. Ouais. C'était bien. J'ai vu les fusées qu'il y a, les fusils qu'il y a dans les westerns. Vous savez, celui où il fait ça. Puis les Indiens ils tombent. Toc, 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 toc. Hey, j'ai vu ça. Il y a ça là-haut. Si vous venez visiter, pensez aux Indiens. Ah,
monde, on vient de finir la visite du seul château des Amériques. C'est un château qui date des années 1800, construit par les Espagnols. C'est assez nouveau. Oh, c'est très joli, il y a une très très belle vue tout autour. Voilà. Superbe vue sur la ville. Vous voulez vraiment voir ce château, le seul du continent? Si vous venez, venez le visiter, il est très très bien, c'est très joli. On vous souhaite une très bonne soirée. Allez, bye! À bientôt! Bye bye!